La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ce dimanche 11 février, en dominant le Nigeria, 2-1. C'est Sébastien Haller qui a délivré tout un pays d'un geste plein de malice. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette finale, et n'oubliez pas de vous abonner. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ce dimanche 11 février, en battant le Nigeria, 2-1, en finale. L'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a délivré les siens d'une reprise de volée astucieuse. Menée après la tête du capitaine nigérian William Strust Williams à la 38e minute, les Ivoiriens ont couru après le score. Franck Kessié, à la réception d'un corner, a permis aux éléphants d'égaliser de la tête à la 62e minute. Un but qui a fait chavirer le stade olympique d'Ebimpe, Abidjan. Sébastien Haller a ensuite failli inscrire le but de la compétition mais son ciseau est passé juste à côté de la lucarne du Nigeria. Mais l'attaquant ivoirien a réalisé le geste parfait quelques minutes plus tard. Sur un centre d'Adingra, Haller a dévié le ballon au premier poteau, marquant ainsi le deuxième but ivoirien à la 81e minute. Un dénouement exceptionnel pour une sélection qui était au bord du gouffre il y a encore 15 jours, toute proche de sortir dès la phase de poule. Félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont mérité cette CAN avec leur détermination. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.